Et interviewer aussi d'autres gens, d'autres jeunes, sur ce que c'est pour eux. Ah oui, bah oui. Hein? Même moi, si... je connais tout le monde dans le quartier. Et bah, ça tombe bien. C'est parfait. Donc voilà, vous pouvez, quand je dis vous parlez, en fait, ça, ça vous aide à vous retourner. Oui. Mais si, bah, tu tournes de pas, tu changes de pas. C'est votre bloc. C'est votre bloc. Vous en faites ce que vous voulez. Ok, du coup, voilà. Marie, il faut que tu testes le kebab, il y a beaucoup trop de... Il est beaucoup trop bon, mais il faut faire attention aux garçons, enfin les garçons bizarres. À part ça, Shoni, bah, c'est comme si c'était parfait, il n'y a rien à dire aussi. Ok. Parfait. Ça pourrait être... Comment t'as écrit ça? C'est comme si c'était parfait. C'est comme si c'était parfait, Shoni. Je ne peux pas dire que c'est parfait. Je connais une adresse de pizza kebab exceptionnelle, la meilleure pizza du monde, à côté de Leader Price. 1, 2, 3, 4. C'est pas grave, c'est pas grave, on recommence. Mais c'est pas grave. 1, 2, 3. Bruit, voiture, couleur, bleu du ciel, émotion, fatigue, odeur du petit déjeuner, personne, ami, Lindsay, Samra, Marwan, etc. Elle a mis son doigt. Ah oui, c'est bon, on ouvre la chaussure. Bah oui. Le bruit de la bouilloire pour le thé, deux messieurs qui construisent une maison, une dame dans son bureau, un garçon avec son masque gris, le feu rouge, mes amis à l'entrée du collège, la bise à mes amis avant le coronavirus. C'est un parc. Voilà. Donc ta maison. Après, quand tu sors de chez toi, elle dit quoi? C'est la route. De ce côté-là, c'est vers Auchan, là, c'est vers l'intervention. Puis il y a ton bâtiment, il n'est pas tout seul, j'imagine. Vas-y, tu peux dessiner. Il y en a d'autres, des bâtiments autour. Après, oui. Pour aller au quartier du haut, on monte par là, et puis là, il y a une grande allée. On passe par là, on peut tourner, aller, il y a Leader Price, la pizzeria,
Il y a un coiffeur. Ouais. Ensuite, plus haut, il y a une dame dans son entreprise. Plus haut, je croise un garçon à chaque fois, il est là. Du coup, je dois passer par le passage piéton. Voilà. Après, il y a un feu rouge. Il est où le quartier? Je l'ai trouvé. Montrez-moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi, toi? Regardez le nom des rues, regardez. Je vous laisse le temps. Rue La Justice, groupe scolaire Renan. Donc, André Terninck, c'était où t'habitais, donc c'est vers... en gros, on peut situer Collège Victor Hugo. C'est vers le quartier. Ouais. Donc, le quartier est par là. Regarde. Rue, non, c'était... c'est là. Robert Schumann, tu sais quoi, là? Robert Schumann, bah, c'est là où j'habite. Rue Robert Schumann, c'est chez moi, et c'est juste à André. Non, ça peut pas, voilà. Mais tu t'es pas marrant, Laura. Voilà. Mais toi, t'es bizarre. T'es pas marrant. C'est où le kebab? C'est rien. C'est vrai. Moi, je voudrais rajouter quand même, plus que faire des interviews, vous êtes surtout des collecteurs de mots. C'est vrai. Parce que ce serait bien que la personne, le groupe de personnes qu'on arrête, on leur demande déjà s'ils ont le temps, s'ils ont envie, on échange. Puis qu'on ait des petits bouts de papier avec nous, et exactement comme vous, comme puisse avoir des traces. Notre carnet et tout. Alors, soit. En gros, il y aura une personne qui prendra, on va choisir. Ouais. Et puis, en gros, elle prend son stylo et puis elle écrit. Et il y en a un qui pose la question. Il y en a un qui écrit. Et puis après, on. Et vous, vous utilisez la caméra. Ouais. Si ça reste que dans nos têtes, on va oublier. Après, on n'a pas encore vu le parc des promenades. Parc des promenades, il faudra qu'on aille. On ira faire un petit tour demain. Oui. Je crois que ça s'écrit comme ça. Alors, un texte à partir d'une photo. Moi j'ai choisi la photo. Moi je prends celle-là. C'est la photo qu'on a fait. Mais on court. Vas-y, celle-là. Ah Sam, tu veux quoi? On était déter sur cette photo. Moi j'aime trop celle-là. Sur ce pont, des millions de voitures roulent par année. Même si nous, les piétons, nous passons, il y a le sol qui se dégrade et s'arrache. Et puis pour la nuit, il y a des lampadaires pour les piétons. J'ai fait que ça parce qu'après, j'ai rayé des choses, je m'étais trompée. Qu'est-ce que t'as rayé? Je riais, c'est pas pour le dire en fait. C'est pas. Non, mais. Nous on aime bien les choses rayées. C'est nous on aime bien ce qui est rayé. Non, non. Des fois c'est dans ce qui est rayé qu'il y a les meilleures choses. Non.
En plus, je vois plus Kate. Non, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est trop personnel, que t'as pas envie de partager, ou parce que tu te dis que c'est pas bien? Non, je me dis que... Enfin, j'aime pas ce que j'écris. Enfin, c'est pas personnel, hein, mais c'est... En fait, j'ai écrit des choses, mais c'est pas sur le thème, quoi. C'est pas... Tu veux bien les lire quand même? Non. Est-ce que nous, on peut juger à ta place? Ça se trouve, on va te dire, ouais, t'as raison, c'est le point super. Ou on va te dire, ah, mais si, Mélia. Non. Tu veux pas nous offrir ça? Non. Parce que moi, j'entreaperçois et j'aurais envie de te dire des choses beaucoup plus positives que ce que tu dis. Souvent, on est dur avec soi-même. Oui, mais j'aime pas. Non. T'aimes pas. Bon, en tout cas, ça a été écrit. Oui. Quand tu vas le retravailler, peut-être que ça ressortira. J'aimerais partir ailleurs comme Tahiti ou Hawaï. Les jeunes sont un peu exigeants parce qu'ils disent qu'à Shawnee, il n'y a rien. Exemple, pas cette activité, de cinéma, de parc. Donc ils veulent partir à Saint-Quentin. Alors, les personnes que l'on a rencontrées depuis mardi ne sont pas tous. Nous ont tous dit la même. Nous ont tous dit à un moment, c'est nul. Nous, on pensait pas la même chose. On a trouvé qu'ils sont trop exigeants, mais les gens, ils sont jamais contents. C'est nul, il n'y a pas assez d'activités, pas assez de parcs, pas assez de salles dans le cinéma. Non, mais attendez, les gars, il y a plein d'activités à Shawnee, centre social, cinéma. Le cinéma, il est assez grand et il y a un forum. On y retourne. Allez. Vas-y. Shawnee, c'est nul, c'est éclaté au sol, c'est tout petit, rien. C'est nul, il n'y a pas d'activité, pas assez de parc, pas assez de salles dans le cinéma. Non mais attendez les gars, il y a plein d'activités à Shawnee. Il y a le centre social, un cinéma assez grand et il y a un forum. Ouais mais nous les jeunes, on est obligés de partir à 50 ans pour faire les choses. Non mais vous êtes trop exigeants. Il y a une médiathèque, une piscine, le quartier de la résidence et la meilleure pizzeria au monde. Bah, t'as raison, on n'avait pas vu les choses comme ça. Mais... Bah, je vous avais dit que j'avais raison. Allez, venez, je paye ma tournée de pizza. Cet endroit s'appelle le stade. Au stade, j'ai déjà fait des barbecues avec ma famille. Mais le stade fait partie du quartier. Et au quartier, j'aime tout. Avance. Ah, je suis pas prête. Moi, je suis pas prête. Toi, t'es prête. Cet endroit s'appelle le stade. Au stade, j'ai déjà fait des barbecues avec ma famille. J'ai déjà joué avec mes potes. J'ai aussi fait des pique-niques avec mes cousins. Juste à côté du stade, il y a l'école maternelle où j'ai été quand j'étais petite. Et aussi, je parle que du stade. Mais le stade fait partie du quartier et au quartier, j'aime tout. Au quartier, on se sent libre. On est en sécurité car on connaît beaucoup de personnes de même origine que nous, marocaines, algériennes. Et au lieu de dire que c'est la hesse, ramène tes fesses au centre social, c'est génial, on peut organiser des soirées formidables. On continue faire le tour. Cinq jeunes se rencontrent sur un banc. Ajar, timide et créative. Yasmine, sportive et drôle. Nélia, l'amie sur qui on peut compter. Laura, la chouchoute du groupe, la plus adorable.
Hassan, le cerveau du groupe, mais aussi très gentil. Ces jeunes partent à un seul et même endroit, Tahiti, le pays de rêve. Ils quittent une modeste ville pour Tahiti, le paradis. Des plages bleu turquoise, des paysages de rêve. Mais il faut quand même l'aider à retravailler son texte. Est-ce qu'il y a des passages, des sujets qui vont en plus plus, que vous aimeriez qu'elle développe? Le texte du pavé tout ça. Cinq jeunes se rencontrent sur un banc. Hajar, timide et créative, Yasmine, sportive et drôle, Nelia, l'amie sur qui on peut compter, Laura, la chouchoute du groupe, la plus adorable, Hassan, le cerveau du groupe, mais aussi très gentil. Ces jeunes partent pour un seul et même endroit, Tahiti, le pays de rêve. Ils quittent une modeste ville, Shawnee, une petite ville fleurie, toute mignonne, avec ses nombreux coiffeurs. Les gens y sont très accueillants, souriants et gentils. Soit cette ville compte un cinéma, une médiathèque. Mais ces jeunes s'en vont pour découvrir l'inconnu. Un pays plus chaud, plus beau. Ils quittent le ciel gris pour le ciel bleu de Tahiti. Ses cocotiers, ses plages bleues turquoises. Un paysage de rêve. Ils ne le savent pas encore, mais c'est le début d'une grande amitié et d'une grande aventure. Tous sont différents les uns des autres, mais ensemble, ils se complètent parfaitement. Je prends rarement le train, pourtant j'aime bien le train. Prendre le train, c'est comme si c'était un voyage. Pour l'instant, Hassan, il s'est arrêté là. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller, l'aiguiller? De mettre où t'aimerais bien aller avec le train, en allant en train. Mais peut-être que sa phrase, il faut la faire un peu plus longue. C'est en Afrique que j'aimerais aller, ou j'aimerais aller en Afrique. Qu'est-ce que tu voudrais dire, Hassan? L'Afrique, c'est où? Ah oui. Où exactement? Où exactement? Où veux-tu aller exactement en Afrique? Le train arrive. Tu rêveras plus tard. Okay. Tu pourras le dire. Tu pourras rêver dans le train. C'est ton écriture. Tu préfères mon écriture. À chaque fois qu'on prend ça, c'est ça. Et toi, c'est quoi? C'est pas prank. Ou bien je commence. Allez. 1, 2, 3. Nous sommes sur le quai. Nous attendons le train pour Paris. J'aimerais bien que le train nous emmène ailleurs. Mais tu sais bien que le train nous emmène vers Paris. Mais moi, j'aimerais aller autre part. Mais où tu voudrais aller? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Là, avec toi, c'est bien? C'est bien. C'est excellent. C'est bien. J'aime bien les deux d'affilée. Un dialogue? Oui. Ouais. Ça donne de la vie. Vous pensez quoi, votre production? C'était bien, mais il faut que le plus qu'on retravaille pour que ça soit plus fluide. Oui, d'accord. Impec, bravo. Nous sommes assis sur le quai. Nous attendons le train pour Paris. J'aimerais bien que le train nous emmène ailleurs. Mais tu sais bien que c'est impossible. Le train nous emmène à Paris. J'aimerais bien aller autre part. Mais où voudrais-tu aller? Je voudrais aller en Afrique. L'Afrique, c'est immense! Où voudrais-tu aller exactement?
Je voudrais aller au Maroc. Pourquoi veux-tu aller au Maroc? Parce que mes origines sont là-bas. Vite, le train est arrivé. Bah au moins je pourrais rêver dans le train. Laura, on t'écoute. Ah. Et de prendre son temps, vas-y. Je voulais retourner à mon ancienne ville qui s'appelle Calais. Il nous explique que c'est que qu'est-ce que ça fait d'être jeune à Chauny. Calais me manque, la plage aussi. J'aimais bien mes amis. Tous les jeunes disent la même chose. Les cinémas trop petits, pas assez d'activités. Bah moi je crois qu'elle devrait se concentrer juste sur un truc et qu'elle devrait bien développer dessus. Comme ça, bah c'est ses souvenirs quand elle était à Calais, ça avait l'air d'être intéressant. Et bah la transition à maintenant où elle est à Chauny, enfin ce qui a changé et tout. Ça lui manque et qu'elle a envie d'y retourner, donc ça donne envie de l'écouter et du fait de qu'elle parle, qu'elle nous explique en fait. Exactement. Je me souviens que c'était. Je me souviens beau et grand. Je me souviens que c'était. Que c'était. Que c'était beau et grand. C'était. Je me souviens que c'était beau et grand. Bah, tu nous racontes tout ce dont tu te souviens et tu te souviens de comment tu te sentais? Le verbe sentir. S-E. S-E-N. Oui. T. Oui. Calais me manque. Je alors, attends, ça va être bon, il faut que tu parles beau. Tu lis. Super, Laura. Et vas-y, projette-nous ta voix. On entend ta voix. Calais me manque. Je me souviens des mouettes. Je me souviens de la plage. Je me souviens que c'était beau, ou que je sois grand ou petit. Ce qui compte, c'est que ce soit bien. Que ce soit, qu'on se sente bien. Que l'on se sente bien. On a bien parlé. Ça te va? Oui. Quand tu veux. Ça y est. Calais me manque. Je me souviens des mouettes. Je me souviens de la plage. Je me souviens que c'était beau et grand. Je me souviens que je me sentais bien. Aujourd'hui, j'habite à Chauny. Il n'y a pas de plage. Il n'y a pas de mouette. C'est plus petit et moins beau. Mais là aussi, je me sens bien. Qu'il y ait des mouettes ou une plage, ce qui compte, c'est qu'on se sente bien. Elle est en train de mêler les gars. Il y a déjà des petits bouts de phrase. Mais il faut quand même les copier. Hein. Et vous n'allez pas copier la. Cette, et vous allez choisir une phrase. Et à partir de cette phrase, comme cela, soit en faisant. En développant vous, votre pensée, votre ressenti. Mais les étoiles, moi! Parfois,
j'ai peur dans la rue. Les gens sont bizarres. Ils vous attaquent, vous poursuivent. Ils sont comme obsédés par quelque chose qui vous appartient. C'est une ville très calme, pas comme Paris. C'est cool, beaucoup d'activités par petite vue. Par ? Petite vue. Petite vue ? Oui. Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire par là, Laura ? Par petite vue ? Cette histoire de petite vue, tu te rappelles ? Des petites vues. Une expression qui n'existe pas, que toi tu t'inventes, tu proposes, mais qui nous a semblé assez juste. Et là, personne ne l'a repris du coup, dans les propositions. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en faire de cette histoire de petite vue ? Petite vue, c'est les différents points de vue. C'est ça que tu voulais dire, Laura ? Oui. Quels sont les différents points de vue que vous avez rencontrés depuis mardi ? Bah, les gens disent que c'est nul. Disent que c'est nul. On va commencer comme ça. Là, par rapport au quartier, c'est ce qu'a dit toujours Nélia. Il y en a qui aiment le quartier, qui disent c'est un bon quartier, on y est bien, et d'autres qui disent ah, le quartier, la résidence, ça craint. Là, pareil, on est sur une question de point de vue. Comment on pourrait expliquer ça ? Certains aiment le quartier et d'autres le trouvent affreux, enfin, le trouvent. D'autres en ont peur. On peut dire comme ça, effrayant. Hmm? Effrayant, d'autres sont effrayés. Qu'est-ce que tu pourrais écrire ? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme différents points de vue ? D'autres aiment Sony et d'autres n'aiment pas Sony. Donc ça veut dire qu'ils veulent partir. Certains. Mais c'est bien marqué. Donc là, on terminerait par ça. Alors certains aiment Sony, d'autres n'aiment pas ? Oui. Il est très très bien votre texte, prenez votre temps pour nous le dire. Et là, on vous écoute tous avec attention. Certains disent que c'est nul, d'autres disent que c'est bien. Certains vivent ici depuis 60 ans, d'autres viennent d'arriver en France, d'autres y sont nés. Certains aiment le quartier, d'autres en ont peur. Certains partent vivre ailleurs et d'autres veulent rester ici. Certains aiment Chouigny, d'autres n'aiment pas. Tu descends ? On va garder votre petit truc sur les petites vues, d'accord ? Vous allez essayer de le faire de là. Avec un sourire, hein. Vos jambes pareilles ? Ouais, surtout, nickel. Certains disent que c'est nul. D'autres disent que c'est bien. Certains vivent ici depuis 60 ans. D'autres viennent d'arriver en France. D'autres y sont nés. Certains partent vivre ailleurs. Et d'autres veulent rester ici. Certains aiment Sony. D'autres n'aiment pas. Nous avons tous nos petites vues. Voir les choses différemment. Au final, ce n'est pas plus mal. Puis, c'est sûr qu'il y aura toujours des inconvénients, mais ça restera toujours mon petit univers. Ce qui ne me plaît pas à moi, c'est toutes les rumeurs que tout le monde raconte. Par exemple, les quartiers, il y a des gens bizarres qui vendent de la drogue. Personnellement, j'habite dans un quartier et je suis contente d'y habiter. Nous, les gens qu'on y habite, on peut juger, mais les autres, non. Combien de moments où elle dit « c'est mon petit univers » Ouais. Ça sera toujours mon petit univers. Ouais, et tu vois ça, toutes ces petites expressions là qui sortent, on ne le fait pas exprès, mais c'est là qu'il y a un peu de magie dans le texte, c'est là qu'on arrive sur un univers un peu poétique. On aime bien quand tu dis ça, on a tous tilté sur ça. J'hésitais à le mettre. Mettre le quartier, comme être mon petit univers. Ouais. Tout ce que je pensais que vous n'allez pas aimer, vous avez aimé. Ouais, tu vois, c'est toujours comme ça, c'est fou. Hein. Ouais.
Entoure le même mon petit univers. Ça, c'est la clé de ton texte. Aussi, c'est le quartier, c'est un lieu super. Relis-le-moi, s'il te plaît. Le quartier. C'est un lieu super, puis c'est sûr qu'il y aura toujours des inconvénients, mais ça restera toujours mon univers. Le quartier, c'est mon petit univers, c'est un lieu super. Le quartier, c'est mon petit univers, c'est un lieu super. Le quartier... À l'intérieur même de tes phrases, tu fais vraiment des pauses. À chaque fois que tu vas à la ligne, tu fais une pause. Si tu veux. Comme ça ? Si tu veux. Attends. Que moi je trouve bien le soleil. Le quartier, c'est mon petit univers. C'est un lieu super. C'est pas un parc que l'on a, mais trois. Au quartier, je me sens toujours en sécurité. C'est cool pour les enfants, même s'il y a des inconvénients. Ça restera toujours mon petit univers. Malgré la drogue et les rumeurs, pour moi, le quartier, c'est du bonheur. Seuls ceux qui y vivent peuvent juger. Pour connaître, il faut y rentrer. Le quartier, c'est mon petit univers. Hassan, remets-toi un peu plus vers ta sœur. Hassan, mets-toi un peu plus vers ta sœur. Voilà. Dans la cité, deux groupes de jeunes se rencontrent. L'un avec cinq jeunes et l'autre avec deux jeunes filles. Une battle de danse éclate. Nelia, la danseuse de hip-hop, fait un enchaînement spectaculaire. Laura enchaîne une vague avec ses bras agiles. Hassan fait un pas au sol. Yasmine chauffe son groupe avec des bruitages de boules. Puis Ajar les rejoint en faisant un salto avant. Les deux filles, impressionnées, décident de s'en aller. Macarena. 2, 3.